porte-parole police nationale là, l'autre côté, il y a un tribunal criminel qui tendait vendredi passé un ancien policier Sergo Guerzin qui était accusé comme monde qui a fait bagarre avec petite fille depuis le 13 l'année. Dans la déclaration Lyo, Minéa rapporté, papa fait bagarre avec lui, dans vagin, avec dans derrière. D'après ça, le raconter tout, lui-même était enceinte deux fois pour papa, mais papa te fait l'avorter pendant tous deux reprises. Sergo, qui était arrêté dans l'année 2016, retourné en prison parce que juge d'instruction a pris une suspension d'audience pour semaine Cap Vignan. Suivions reportage Magasson Philistin qui t'a suivi procès. Aujourd'hui, nous sommes devant l'instruction définitive va se faire. Sergo Guerzin, ancien policier USGPN, Biétrice a retourné dans la pénitentiaire nationale. L'hypocon pour combien l'année l'île. Policier a des 4 mirailles depuis l'année 2016 parce qu'elle participe à une fête d'appuyant, violée petite fille dans l'époque là qui était seulement 13 l'année sous tête. Dans le petit acte d'accusation avec l'ordonnance renvoi, tout bagaille au palais. Si fille a raconté, papa le participe à une violée, fait bagaille avec elle, n'a pas rien comme Nader, il était même arrivé en 7 pas deux fois pour papa. Est-ce que le ministère public te fait citer témoin dans le cas d'affaire ça? Non, victime n'a présent dans la salle là. Puisque ces affaires ont tout le monde, le magistrat a demandé tout le monde qui est dans la salle là. Seulement accusé à victime, nan, avocat de Patio qui lui là. C'est vrai, ministère public, participe à m'identifier comme témoin qui était présent dans la salle là, mais tribunal là, suivant disposition discrétion des magistrats, prend une décision pour t'aider maman à titre renseignement. L'aime dans secteur ville, il était dit pour mal retirer. Je ne suis pas d'accord, famille, papa, maman, papa, moi, t'es levé. Je ne suis pas d'accord, famille, je ne suis pas d'accord. Mais l'essai est 17, il vient pour responsabilité victime. Qui va me voir apprendre que papa Serge Lin combien fait bagarre avec lui? Je trouve que Serge c'est Alain de CPJ. Pourquoi il est là, c'est le moment pour t'aider à Kizéa? Sergo Guerzin expliquait, c'est monter ou monter petit, les comptes lui-même, petite fille, ses amis, ses partenaires, c'est ça papa a déclaré. Il n'y a pas de jambes, mais on joue violer petite fille, Sergo clair sur ça. Est-ce qu'on fait bagarre ici? Non. Pourtant, on dit là, on fait bagarre. Maïssa, ouais, on dit ça, on bagarre un avocat avec. Non, attends-moi. Et deux policiers tapent dans l'eau. Deux policiers? T'es qu'un policier tapent dans l'eau. Pas qu'un policier qui t'est dans l'eau du tout. C'est bien. Pourquoi pour venir ça de est-ce que petite fille, on te reconnaît qu'il est enceinte un jour? On va jamais reconnaître. On va jamais faire des manches pour petite ou faire avortement. Mais on contre dit où là? Dans toute déclaration fait là où tu reconnais ça, on dit c'est un ami Serge Lin qui fait me connaître que Serge Lin est enceinte. Zami Serge Lin a été CPJ, donc je ne suis pas un policier pareil ou à fond à vue. Accusé a semblé oublier s'il était confirmé pour des CPJ pour juge d'instruction, effectivement il a fait bagarre à petite li. Ancien policier qui a défendu tête li, pas reconnaître même déclaration qu'il a fait alors qu'il était si elle. Nous reconnaissons ou reconnaître que petite fille est enceinte un jour. Moi, je me demande est-ce qu'on te reconnaît petite fille en cet jour? Oui, on te connaît. C'est tout un fille à sauver, quitter l'hôtel, papa le avec dans la clé puisque c'est un pas reconnaître un, magistrat après le rapport de CPJ. Qui fait la mineure, ceci était dans une chambre avec un homme, quand tout à coup, elle a fui nue et a pris la direction de la rue. Ils ont couru après elle, pensant qu'elle avait fait du mal à son compagnon. Arrivée à proximité de Carrefour Clercine, elle s'est habillée, vu qu'ils lui ont apporté ses habits. Et un particulier l'a conduite à la base de la brigade d'intervention motorisée. Petite fille a couru, pas vrai? Dans Carrefour Rita, petite fille a couru, qui tourne dans Carrefour Rita. C'est courir, courir pour le sauver, pas vrai? Comment se fait-il que petit a pas parlé et puis il courit, il sauve qui tout ou même courir d'elle pour prendre. Puisqu'il a accusé à pas trop d'accord, soit avec rapport des CPJ ou bien ordonnance juge là, tribunal la prend en suspension d'audience et puis demandé au ministère public si t'es policier qui te mène enquête dans quatre dossiers ça. Ordonnons au ministère public si t'es à comparaître par devant le tribunal. L'officier de police Jacques Ebens, jeudi, de la direction centrale de la police judiciaire, pour être entendu sur le transport qu'il avait effectué à Snobby. En tout cas, c'est un dossier qui fait un pile par la pile, parce que y a un pile quand il y a des gens qui ont souffert en silence, pour dénoncer papa qui a pile fois prend comme une deuxième madame.
Sergo Gassin, devant tribunal criminel, pas premier monde qui accusé dans sens ça, rete pour la justice, continue mettre code dans coup, tout papa ou bien pasteur l'église qui a mettre main sous petite ou bien fidèle yo. Magerson Philistin, Caraïbe FM. Merci en pile, Magerson Philistin, donc nous frise. On frise finalement. Donc on a d'accord avec même dit nous que diable prend pays ça à voler. Diable prend pays d'Haïti donc il y a des bagailles même dans rêve ou ta ou pas ta même penser au bras l'ouel et pour vivre les comme bien réalité. Donc ben ça grande surprise que c'était je te prendre même quoi c'est madame président il l'a conduit que c'est l'état de sécurité oui bon c'est la sécurité mais pas pour un pendant le président qui donc vous êtes sur ce provisoire là que c'est Justin Privé les autorités Sergo c'est triste c'est terrible bonsoir agent USGPN zami auditeur attendez j'ai des nouvelles à eux donc n'a rendu nous compte les me dit nous que pays arrivé dans carrefour pays a vraiment carrefour qui finit fini donc là me dit nous gon mettre mystique hein qui sorti au Bénin qui devine nos activités mystiques qui était invité en Haïti au grand maître que me pas citer non il est fin descendre porte là il fait ça pour le faire il regarde le ouais j'en démon féroce démon qui vraiment dangereux la guerre flané dans Baskoua, elle rivé, elle dit mettre mystique là que la retourner même jour en pays ça est un pays pour monde dormir là-dedans parce que les mêmes obiné des mots ça qu'a suivi dans toute la rue qu'a flané mon observer avec au bonne carrefour et tu monsieur ça yo tout qu'a tuer monde et les 400 maozo tout nèg ça avec gens des démons ça yo fonctionner donc les dit au pays qu'on ça pas dormir là-dedans parce que dans pays parle non seulement yo enchaîné yo yo mette yo nan cage et puis site yo lagué comme ça donc Kasego Sego ou même conscience ou mon dieu petite fille ou qui connaît puis d'autant plus tout ça ça Sego mais quand Sego ta vina on thèse dit nan moment t'a questionné il va gagner avocat son père dit nan chambre hôtel avec petite fille ou même pas de sens au maman k'ap sorti des petites demoiselles là commence à bougeonner tete ou pas ka confier là n'importe moun nan ka elle bon mais on a chambre hôtel la petite pau pour la courir connu ouais terrible ça pas terrible oui. Et moi même n'peux pas bouler moi comme ça chaque fois m'a fait nouvelle moi même pour tout accuser de tout monde en république là m'pas aucun problème les moi moun jouer dans tête un monde pour le faire dit bob viol oui viol kidnapping c'est des mêmes bagailles oui sauf que gagne un qui rançon gagne un va bail quoi va bail quoi bien tout ça a pire ça paraît un petit gars pire criminel mais pour une fille forcer soit avec zam pression fermel li parler mais on li prend ammonia vo colle pas la copa on li prend ton et pour coucher sans consentement c'est même sorte de gagner kidnapper. C'est pas tout reste vim cap marqué pour tout reste vim monsieur. Il est difficile pour monde dit bob réalisam, il prend comme sous monde. Bon ça pas t'a pas passé. Monde qui connaît m'ta dit pas capable. Pourquoi tu c'est inventer l'autre bagaille. Mais prend monde fait tête li, al dit moins violer. Et puis, mais quand histoire puis belle, mais première fois dans des viols pays, ou fin violon, on vous balle 40 000 gouttes. Et puis même moun ou fin violer, t'as de l'eau dans j'ai crié, oui, et puis la compté comme là. Pour la lacaille. Avec si, ou violon, on vous paye le même côté, et puis le prend comme ça, il met dans la valise, si je la lacaille. En tout cas, moi, m'bakwe, max ça, à jambes sautées, sous moins en vie pam. Dites les mêmes que je suis. Ouais, c'est, oh non, mais nous témoins, monsieur. C'est moi qui a refusé des gens qui a pris en terre étrangère. Et puis pour moi, violon, moun, et puis fin violel, et puis bal 40 000 goudes.
Mais d'elle, alors, je ne sais pas quelle société vous êtes. Je ne sais pas suivre moi pour toute la vie. Mais c'est des choses qui sont plus marquées dans toute vie. Donc, bah, vous prenez un petit monde, 12 ans, petit tout, hein, pour faire sexe avec elle, ni devant, ni derrière. Et vous jouez dans toute chambre d'hôtel. Et puis c'est papa loué. Nous avons un cas qui loué devant là. Oui, on n'a pas le temps de faire ça. En attendant, ben, nous allons dans le Parlement, puisque jeudi encore, séance de mode mise en accusation, président République Lan Liap reprendre dans la Chambre des députés. Hein, et par rapport à Canossa, député circonscription Grand Gouavlan, Jean-Marcel Luméran, qui est impliqué dans la démarche, ça fait qu'on est député accusateur déjà paré pour répondre présent en cas d'invitation. Ça. Toutefois, député Grand Gouavlan dit le souhaité président de Chambre des députés, hein, mettez disponible ensemble document un groupe minoritaire demandé yo ça qui d'après Saldi a favorisé bon déroulement séance là Wenchel Adrien pour faciliter séance public là pour crime de haute trahison qui était en continuation depuis 7 août 2019 bureau chambre députée à travers secrétariat général institution sorti une note pour annoncer reprise séance pour 12 août 2019 là par rapport à ensemble recommandation député qui initié demande mise en accusation à TF bureau avant de poursuivre à séance député concerné une énième fois poser conditions pour répondre invitation bureau. Député Luméran Jean-Marcel, c'est un député qui est dans des démarches mises en accusation. La séance était mise en continuation par le bureau, puisque le bureau n'a pas été capable d'outrepasser les demandes. Nous attendons que Guéon note que la séance va reprendre lundi matin à 11h. Nous autres députés de l'opposition qui avons accusé le président, nous avons répondu à l'invitation du bureau, moyennant que le bureau lui communique nous ensemble de documents que nous demandons. Si bureau réaliser que l'IPRE et que ces documents sont disponibles, à ce moment, nous allons entrer dans les débats au fond. Député circonscription Gangouavla critiqué président. Et bien, elle, c'est la police qui a venu, il ouvre coup de zamzou. Oui. Et nous apprenons tout un policier qui mourit dans la zone Matissan 1. Oui, oui, oui. Avec tout un citoyen qui est sorti Chili. Oui, oui. Et monsieur a même mis du feu. Ce cadavre-là, c'est ça, Nabdi Mounio, éviter pour te bourrer. Donc, c'est mon cap pourri pour situation tension à cause de blocus qui gagne en bas et qui a cherché ou découpé pour capable arriver plus vite. Et puis, n'arriver plus vite, il n'y a pas arrivé du tout. Donc, c'est une situation terrible, ça. Nous sommes décrits. Et tant que nous signalons des cas comme ça, donc, sous zone en haut, zone Pombria, et c'était même dans la même condition, ça, infirmière, ça, lui-même, il perdit la vie. Ainsi que jeune garçon, ça, employé une banque là. Oui. Seulement pour moi, juillet 2019, l'an 10 policiers placés en isolement pour complicité dans l'assassinat, d'après porte-parole police nationale, Michel Ajoui Jeune, dans le cadre d'un bilan différentes activités, inspection générale police l'a mené pour moi ça. D'après porte-parole, inspection générale police l'a ouvert 366 enquêtes sorties janvier pour arriver mois juillet. Côté 69 là-dedans, il l'ouvrit seulement pour moi juillet. Commissaire principal l'a précisé, eh bien, seulement pour moi juillet qui se passe là. Inspection générale traité 55 dossiers signés et puis transférés par la direction générale de police là avec recommandation abus confiance, menace de la mort, agression physique, dette avec violence conjugale, ces dettes, ces diverses charges qui pesaient sous dos ensemble policiers qui concernaient yo. En côté porte-parole là, Michel-Ange Lijeune, l'été dans le micro, Johnny. Nous voulons repartir, nous avons dit qu'il était recevoir 50 plaintes et il y a 14 rapports internes qui étaient joints, c'est-à-dire des rapports qui étaient sortis dans l'institution même, soit dans une direction départementale, soit dans une direction centrale, mais toujours est-il qu'il y a pour eux avec comportement policier qui n'est pas bon. Et il y a 4 cas côté inspection générale qui saisi d'office et c'est ça qui est important dans le travail de terrain que l'enquêteur inspection générale lui a fait parce que à n'importe quel moment, il y a un enquêteur ou bien des enquêteurs de l'inspection générale capable d'estimer comportement tel policier ou bien tel groupe de policiers et bien compromettant à l'institution. À ce moment-là, ils ont intervenu pour être capable de dresser la barre. Et il y a un cas aussi de demande de réintégration que l'inspection générale a analysé, ça qui fait en total 69 cas que l'inspection générale lui-même a travaillé sur lui. Malheureusement, nous n'avons pas de possibilité pour nous faire projection, pour nous être capables, mes journalistes sont capables, ouais. Bon, nous pourrons mettre une prochaine fois pour nous capables de faire. Eh bien, nous avons de janvier
à date, de janvier 2019 à date, 366 enquêtes ouvertes dans l'inspection générale. Parmi enquêtes, il y a des qui déjà abouti, mais il y a qui sont déjà en cours. Mais pour moi, ça n'a pas lié à là, nous avons dans le cadre de 69 enquêtes qui ouvert dans l'inspection générale, Jean que moi saute repartir ba nous là. Et qui ça qui dans cas ça yo? Qui ça reproché policier ça yo comme ça? Et ben gagné 3 cas, c'est des cas d'abus de confiance. Gagné 5 cas, 5 policiers malheureusement qui pas comprendre dynamique, respect droit moment, malheureusement qui pas comprendre le respect de la personne physique. Donc malheureusement, 5 cas qui concernaient des agressions physiques, t'es arrivé joindre l'inspection générale et ont été traités. Et gagné 10 cas, c'est pour dette, gagné 9 cas de menaces et gagné 10 cas de perte d'âme. Et malheureusement, gagné un phénomène qui a gangrené la société, c'est le phénomène qui est lié à la violence conjugale. Et bien, nous gagné 3 dans les policiers par nous, qui pas épanoui par phénomène ça, et l'inspection générale, les mêmes, ils ont traité 3 cas qui ont gagné pour eux avec violence conjugale. Et pour l'inspection générale, il a fait tout le bagage ça, donc il a posé des actes d'enquête, bien sûr, des actes d'enquête administrative, puisque nous sommes dans le volet administratif. Il a fait 112 convocations parmi les plaintes qui étaient reçues et qui étaient joignées. Dans 112 convocations, il a été auditionné 112 personnes, et il a eu 24 confrontations qui étaient faites. Et c'est parmi les cas les plus graves qui étaient obligés que l'enquêteur ait fait appel à plaignant pour te confronter avec les policiers qui ont été accusés. Gagné 13 invitations, gagné 10 cas qui ont été obligés de placer les policiers en isolement pour complicité d'assassinat, par exemple. Ensemble de cas, ensemble d'actes d'enquête, pardon, que l'inspection générale a été posée pendant tout le mois de juillet, a limité au nombre de 324. Dans 324 cas, gagné 55 cas que l'inspection générale signait et acheminé par devant direction générale, qui est la plus grande instance en matière de police en Haïti, capable gagné pour décider et sous cas ça et bien sûr avec un ensemble de recommandations et que l'inspection générale fait. Mais nous capable dire de janvier à juillet, c'est mois de mai et qui était moins cas alors que l'inspection générale a traité, soit 31 pour mois de juin, 64 pour mois de mai, 48 pour mois d'avril, mais nous sommes en juillet et nous avons 55 pour le mois de juillet. Et quantité de dossiers qui traitaient et qui acheminaient à la direction générale de janvier à date, les remontaient au nombre de 341. Michel-Ange, lui, jeune commissaire porte-parole police nationale en dernier temps, ça y est, policier ou pas suspendu victime, inspection générale la police là, dans ce sens, a demandé à Jean Yo pour faire plus vigilance dans le cadre de travail. D'après une enquête, la police menait majorité agents qui victime dernier temps, ça y est, c'est à cause de négligence qui fait dans l'exercice fonction. D'après Michel-Ange, lui, jeune policier Udmo qui est affecté dans le service sécurité, sénateur au nom de Dieu, lui placé dans isolement en attendant enquête selon confirmation porte-parole police nationale là, policier 17e promotion agent 3A, yo pas révélé identité, le joint arrestation le mardi 6 d'août qui s'est passé dans le périmètre de Sikisal banque dans Pétionville alors qu'il était trouvé ensemble avec plusieurs autres monde, direction centrale police judiciaire mettait en bacode dans cadre de transaction la banque de CPJ jugé suspect quand coûté on fait encore déclaration. Porte-parole police, la commissaire Michel-Ange, lui jeune, dans le micro, Johnny Ferdinand. D'un coup, nous remarquons plusieurs policiers à 2 mètres par balle, en pile blessure par balle, et policiers aux victimes d'accidents de circulation, aux victimes de toutes sortes. Mais qui ça, inspection générale, tout l'y décelé à leurs différents enquêteurs de terrain, ils remarquent tout une certaine nonchalance, une certaine négligence. Parmi un pile policier, il n'y a pas quitté des fonctions. Donc, l'inspection générale lui-même exhorté et policiers pour faire preuve de vigilance et pour toujours être en alerte. Et par exemple, on a regardé des enquêteurs d'inspection générale qui ont observé comment les policiers circulation ou déployés, par exemple. Peut-être nous-mêmes, nous avons remarqué tout, les policiers sont dans la rue, ils travaillent, et puis c'est dans le moment, ils textent dans le téléphone et la voient WhatsApp, donc ils pas vraiment prend conscience que c'est un policier qui travaille, qui a un uniforme, une police solide qui travaille, et que quand en situation difficile paraître devant, les vulnérabilités têtes davantage que si il était vraiment en alerte pour te faire face à n'importe quelle situation qui était présentée. Et c'est dans ce sens-là, l'inspection générale tient à ce que et nous parler de ça pour personnel policier pour comprendre les dangers et risques
que travail a fait à les représenter et comment pour yo capable comporter. Parmi faits qui étaient marqués mois de juillet dans différentes activités, dans différents travaux que l'inspection générale fait, nous sommes capables de retenir trois dans yo par exemple. D'abord, c'est assassinat inspecteur principal Johnny Busseret et dans le commissariat Bassin Bleu. Et dans l'enquête inspection générale Témenin, il était arrivé à interpeller un policier, un agent 1 et de la 26e promotion. Et agent 1 ça l'a placé en isolement sous contrôle enquêteur inspection générale pour enquête là capable de prendre suite. Deuxième fait qui était retenu à l'actualité au niveau inspection générale encore, c'est un incident à Ansagalais le 18 juillet dernier, côté un inspecteur de police qui était accusé de violation de droits humains. Eh bien, inspection générale était intervenu non seulement pour mener enquête, pour auditionner l'inspecteur de police, ça, mais aussi pour prendre les mesures appropriées. Il y a un autre cas encore qui défrait la chronique, c'est le dernier en date, c'est ça qui concernait l'arrestation et plusieurs monde. Et dans un succursale en banque dans Pétionville, côté reproché Mounsayo de crimes financiers. Et parmi Mounsayo, il y a un policier qui est un agent 3, 17e promotion, qui est affecté dans l'unité départementale du Nord-Ouest, mais plus précisément attaché à la sécurité du sénateur au nom de lui. Dès que il y a un scandale, qu'un policier soit directement ou bien indirectement qui est impliqué, immédiatement, l'inspection générale est intervenu pour le capable mener enquête, pour le capable faire le point, et s'il lui faut gagner des sanctions administratives pour prendre, la prend, et si sanctions ça va aller au-delà des sanctions administratives, soit on a gagné des mesures judiciaires, à ce moment-là, la préférée par devant autorité judiciaire pour être capable de dire le droit. Donc, pour laisser ça, pour le moment, nous placer en isolement sous contrôle de l'inspection générale en attendant que l'enquête dit exactement de quoi il en était. L'ange, lui, jeune.